Bienvenue au Triangle Sudbury. 7 jours de course, plus de 40 départements représentés au départ avec 4 pays, donnant place à des étapes très mouvementées. Au fil de la semaine, vous pourrez me voir dans les échappées, dans les bordures, des descentes sinueuses, des montées interminables de plus de 3 km, mais aussi craquer et exploser. Et je suis surtout désolé. Je prendrai le départ d'un contre-la-montre et à des circuits ultra difficiles. Franchement, c'était une course très très difficile. J'aurai aussi le droit à des soucis mécaniques, on assistera à des chutes. Et on prendra place dans des sprints. Mais surtout de très bons résultats et énormément d'expérience engrangée. Quentin Ruel. Bienvenue dans cette série de 7 vidéos du Triangle Sudbury. Rendez-vous tous les soirs à 18h pendant une semaine pour suivre l'aventure. Aujourd'hui, c'est la 7e étape, la dernière étape du Triangle Sudbury et il fait extrêmement chaud. Ils annoncent plus de 35 degrés. Je suis trempé, je suis même pas encore en tenue. Ça promet d'être la principale difficulté aujourd'hui. Et en plus, c'est une étape qui sera très vallonnée, qui risque d'être très difficile. Vous avez pu voir dans l'épisode précédent que j'ai fait 5e hier. J'ai marqué beaucoup de points. Je suis remonté 13e du classement général. Donc là, le petit objectif que je me mets, ça serait de faire un top 15 aujourd'hui afin de marquer quelques points et de pouvoir remonter quelques places afin de rentrer, je l'espère, dans le top 10 du classement général. Ça va pas être facile parce qu'aujourd'hui, j'ai personne pour me donner des bidons. Donc avec la chaleur qu'il fait, ça va être une vraie contrainte, une très grosse contrainte d'ailleurs. On va essayer de faire avec et voilà, je suis littéralement trempé. Ça y est, on part pour la dernière étape du Triangle Sudbury, la 7e étape de cette semaine. Et aujourd'hui, cette étape, elle va être très importante. Effectivement, sur la dernière étape, le classement général peut encore se jouer. Que ce soit pour les maillots distinctifs qui sont tous devant moi sur la première ligne, mais aussi pour moi. Au départ de cette étape, je suis 13e du classement général. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de rentrer dans le top 10 du général. Ce serait quand même sympa, ça sonne mieux que 13e. Et pour ça, il va falloir que je marque des points. Et pour marquer des points, vous avez compris, il faut rentrer dans le top 15 de l'étape afin de marquer des points. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de rentrer dans le top 15 et si possible, de faire la meilleure place possible, comme vous le savez. Sauf que le circuit aujourd'hui, il est extrêmement vallonné. Il ressemble un petit peu à celui de la toute première étape, c'est-à-dire que c'est un circuit très long. Il fait 18 km, c'est énorme, c'est quasiment une course en ligne parce qu'on va parcourir que très peu de tours du coup finalement. Et sur ce circuit, du coup, l'objectif, ça va être de ne pas se faire lâcher dans les côtes. Heureusement, contrairement à la première étape, il y a moins de pourcentage. Il y a beaucoup de côtes, il y a beaucoup de côtes longues, mais il y a un peu moins de pourcentage et ça va pas mal m'aider quand même. Dès le début de cette étape, regardez, ça attaque directement. Effectivement, tout le monde va vouloir la gagner et surtout, tout le monde sait qu'elle va être extrêmement difficile de par la chaleur extrême. Effectivement, on est en vigilance orange canicule. Donc voilà, il va faire chaud aujourd'hui, on le sait et on sait que les organismes, surtout après une semaine, vont prendre super cher et du coup par conséquent les gens potentiellement en début de course comme ça vont peut-être avoir la flemme de nous accompagner. C'est pour ça que dès le début comme ça j'essaye d'accompagner les tentatives. Je vais pas me mettre taquet comme j'ai pu le faire dans certaines autres étapes. Regardez, je suis qu'à 150 au cœur. L'idée c'est d'accompagner stratégiquement sans faire d'effort, d'autant plus que là devant moi on a Fabrice, un coureur qui aime ce genre d'étape, un coureur qui est extrêmement fort et il est dans les 3-4 premiers au général. Donc voilà, c'est pas un mauvais choix que de partir avec lui. Et sur ce début d'étape, forcément, vu que le circuit fait quasiment 20 km, eh ben, j'ai pas pu faire de tour de repérage. Donc je ne sais ni à quoi m'attendre niveau dénivelé. Je sais que ça va monter, il y a plus de 1000 mètres de dénivelé sur l'étape. Mais par contre, je sais pas du tout les routes et quand est-ce qu'on tourne. Par exemple, là, sur ce début de circuit, c'est une partie assez sinueuse. Il y avait beaucoup de gravier au milieu de la route. Dans les descentes, ça glissait énormément. Et ça, bah, sur ce premier passage, je le découvrais. Alors heureusement, du coup, je suis placé dans les 10 premiers. Ce qui ne me met pas du tout en danger et ça m'évite totalement les potentielles chutes qu'il pourrait y avoir à l'arrière. Donc pour l'instant, je vais rester placé à l'avant dans l'idée de, je l'espère, prendre une cassure dès le départ. Parce que ça peut arriver en fait que ça sorte dès le départ. Mais pour ça, bah, faut avoir un petit peu de chance. Et comme vous pouvez le voir, du coup, ce circuit il est composé en deux parties. La grande boucle et la petite boucle. Les deux cumulés représentent 18 km. Et la petite boucle, elle, par contre, j'ai pu la repérer à l'échauffement. Et rien que ça, je sais qu'elle est très difficile. Donc sur cette épreuve, il va falloir vraiment garder du jus, particulièrement en fin de course, parce qu'il va en falloir de l'énergie pour bien finir cette étape. Et vous allez le voir que ça va être essentiel au fil de la course de garder de l'énergie pour la fin. Et là, sur ce premier tour, on passe au passage du pont. Alors je ne le savais pas encore, mais à partir d'ici, pendant près de plus de 3 km,
ça va faire que de monter avec quelques légères descentes entre les côtes, mais ça va être la partie la plus dure du circuit et la plus usante. Heureusement, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de gros pourcentage extrême à plus de 8-10%. Par contre, c'est des côtes très longues et qui sont ultra usantes, et plus particulièrement en fin de course, parce qu'aujourd'hui, on part pour plus d'une centaine de kilomètres. Donc, par un temps pareil, ça va faire extrêmement mal, il fait extrêmement chaud. Et sur ce début de course, pour l'instant, je ne souffre pas encore de la chaleur. Heureusement, entre le moment où je me suis échauffé et le départ de la course, j'ai réussi à trouver des personnes pour me fournir en bidon. Donc merci à vous, vous allez vous reconnaître. Merci, parce que sans ça, j'aurais pas pu finir la course, je pense, tout simplement, parce que pas une seule heure pareil, il faut boire énormément, mais surtout, il faut aussi s'arroser. Ça fait vraiment du bien de s'arroser. Donc quand on sait qu'on a des bidons sur le bord de la route, on peut se permettre de vider un petit peu ces bidons sur la tête plutôt que de tout garder pour boire. Et sur le début de cette ascension, regardez, le meilleur grimpeur est en tête de groupe. Il veut sécuriser un petit peu son truc et ça monte pas vite du tout. Regardez, je suis qu'à 140 et là, je me dis, bon, comme pour l'étape précédente là, chaque fois que je passerai cette côte, ça sera une côte de moins à monter et ça me rapproche doucement vers l'arrivée. Donc moi, si on peut faire des montées comme ça à 140 BPM, ça me va très bien. On force pas trop, personne n'attaque, tout le monde a l'air d'avoir un peu la flemme ou tout le monde sait que c'est une course qui va être usante, donc il va falloir garder de l'énergie pour la fin, ce qui fait que personne se bouge et moi, pour l'instant, ça me convient très bien. Et un peu plus loin, après quelques mouvements de course, moi, je me remonte encore une fois, me placer à l'avant, je prends vraiment aucun risque. Clairement, je sais que la côte va être difficile pour moi, on m'avait dit qu'elle était très très longue, donc je prends pas de risque. Ici, on arrive dans un des paliers les plus difficiles de cette grande partie du circuit de plus de 3 bornes là, qui monte. Regardez, là, on se rapproche des 7-8%. Sachant que, comme vous le savez, au-dessus de 8% en général, moi, j'ai du mal à passer. Et là, on va arriver dans ce virage-là. Tout le long de la course, c'est le virage qui va faire le plus mal. Vous verrez ça un peu plus tard, mais c'est un virage qui me faisait souffrir. Et d'ailleurs, regardez, faut que je m'accroche. Déjà, ça accélère à l'avant, je mets 600 watts là pour m'accrocher. Mais c'est extrêmement difficile à cet endroit-là du parcours. Donc, faut s'accrocher. Là, c'est dans la tête. Et regardez, quand on prend le virage, on voit au fond un petit panneau là qui représente dans ma tête en tout cas le sommet de cette côte où à chaque fois il fallait que je m'accroche jusqu'à ce panneau et après ce panneau ça allait mieux parce que ça allait redescendre. Donc c'était un petit point en fait pour moi pour me motiver et comme ça à chaque tour voilà j'ai ce petit objectif de réussir à passer cette côte et une fois qu'on a passé ce petit palier ça va mieux. Mais après une petite redescente, on arrive enfin dans le village qui symbolise la fin de la montée réelle. Et là, encore une fois, ça faisait très très mal jusqu'au panneau de la ville. Là, à partir d'ici, en général, si j'étais encore ici bien placé, c'est que, bon, la montée allait... c'était bien passé pour moi. Si j'avais reculé, bon, c'est que ça s'était moins bien passé pour moi. Et on va doucement arriver jusqu'à l'église avec la ligne du classement de meilleur grimpeur où se joueront les points pour le maillot de meilleur grimpeur au fil de la course sur certains passages. Donc c'est bon, on a réussi à passer ce premier passage de la côte dans le peloton et en plus de ça, particulièrement bien placé, regardez, je suis en tête quasiment dans les 10 premiers du peloton. Donc là, l'idée maintenant, c'est que on a quasiment fini le premier grand tour, il nous reste une grande descente et la côte de l'arrivée. On passe une nouvelle fois un pont qui symbolise dans ma tête le début de cette côte qui est la côte de l'arrivée, une côte de plus d'un kilomètre. Donc encore une fois, c'est des distances quand ça monte qui sont pas en ma faveur. Je vais heureusement réussir à m'en sortir parce que durant cette semaine, j'ai appris des choses. Et là, je vais faire appel à un commentaire que j'ai vu durant la semaine là sur les épisodes précédents. Cette semaine, tu apprends à te faire mal pour de vrai. Et clairement, c'est ce que je me disais. Et ce jour-là, c'est ce que je me suis particulièrement dit. Vraiment, c'est ce que je me disais. Cette semaine, j'ai appris à me faire mal. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où je me disais « Non, j'y vais pas, je suis pas capable » ou « Non, là, c'est trop dur ». Alors qu'en fait, concrètement, j'étais capable de faire plus. Mais je ne le faisais pas parce que j'avais, entre guillemets, peur de ces efforts. Et du coup, cette étape-là, je me suis dit « Quentin, déjà, c'est la dernière, donc si tu finis minable, c'est pas grave. Mais surtout, si tu veux rentrer dans le top 10, il faut impérativement marquer des points. C'est le moment ou jamais, vu que c'est la dernière étape. Donc aujourd'hui, Quentin, tu vas te faire mal. Et vous allez voir que ça va être vraiment la motivation que je vais avoir aujourd'hui, c'est réussir à me faire mal. Malgré les côtes qui sont incessantes sur ce circuit de 18 km, c'était vraiment un supplice. Malgré cette côte d'arrivée d'un kilomètre qui va nous emmener jusqu'à la ligne où il faudra que je la franchisse avec le meilleur résultat possible. Malgré tout ça, je sais qu'aujourd'hui,
je vais me faire mal, et je vais le faire bien. D'ailleurs, après le passage sur la ligne, on attaquait la petite boucle que vous pouvez voir en haut à droite sur la map. Et bah, sur cette petite boucle, c'était tellement pas large, comme vous pouvez le voir là à l'écran, c'est que c'était quasiment impossible de remonter, se placer. Donc moi, je m'étais mis un objectif, c'est qu'à chaque fois, en haut de la côte de l'arrivée, après le passage de la ligne, il fallait que je sois dans les 10 premiers. Parce que si ça sortait sur la petite boucle, c'était impossible de remonter en fait dans ce peloton, parce que les routes sont tellement sinueuses, pas larges, avec des virages. Enfin bref, tout ça, c'était hyper important de rester placé à l'amorce de cette petite boucle. Sur le reste du parcours, il y a quand même pas mal de bouts droits bien larges pour se replacer, mais sur la petite boucle, c'est tellement compliqué de remonter qu'il faut impérativement rester vigilant tout au fil de la course. Et sur la fin de la petite boucle, regardez, ça descend légèrement, puis on va retourner sur la gauche et rattaquer la grande boucle. Et j'avais remarqué qu'ici, en général, ça ralentissait. J'avais l'impression que c'était un peu un endroit difficile pour mes adversaires. On tournait sur la gauche, la plupart des gens prenaient leur bidon ici, donc ils ralentissaient. En plus de ça, tout le monde était un peu taquet. Donc ça, je vais le garder en tête. J'ai vraiment l'impression qu'à cet endroit-là, c'est un endroit qui est intéressant, parce que moi, je me sens en forme. Regardez, je suis à 150 BPM à cet endroit-là. Je peux accompagner les tentatives comme ici, par exemple, avec la petite cassure. Et les autres ont l'air de ralentir de par les bidons et aussi de nombreuses côtes qu'on vient de se faire juste avant. Donc c'est un truc important, je repère au fil de la course les endroits qui pourraient être décisifs plus tard dans la course. Tour d'après, juste après la ligne, comme je vous le disais, je me replace à l'avant du peloton afin de ne pas me faire surprendre dans les passages sinueux, les descentes et les côtes qui vont arriver sur le petit parcours juste ensuite. Et vous allez voir que d'ailleurs, regardez, ça casse derrière, ça roule vraiment très fort. Devant, ça fait le forcing afin d'essayer de créer le groupe d'échappée, parce que pour l'instant, personne n'arrive à faire faux bond au peloton. Mais au bout de seulement 40 km, tout le monde commence déjà à être un peu à bloc. Sauf que moi, je me sens vraiment bien. En fait, au fil de la semaine, j'ai l'impression que je suis monté en puissance, vraiment. Plus ça allait, plus je me sentais en forme. C'est-à-dire que, vous l'avez vu de par mes résultats, plus ça va, plus je fais des bons résultats. J'ai été chercher un top 5 la veille de cette étape, et je me dis, plus ça va, plus je me sens bien. Alors certes, moi, regardez, mon cœur, il est quand même haut, mais dans les jambes, je suis super frais. Donc là, quand il y a une petite cassure sur une tentative là, d'échapper qui est en train de sortir, je me dis, ok, bah, je vais faire le jump, je reviens, parce que bah, je m'en sens capable, vraiment. C'est, je me sens particulièrement en forme ce jour-là, donc je vais pas laisser partir d'échapper, comme par exemple là, cette tentative qui aurait pu largement fonctionner. Je vais revenir dessus. Dedans, en plus, il y a des très bons coureurs. Donc, l'idée maintenant, ça va être de rester dans ce groupe, m'accrocher, et peut-être qu'on pourra aller plus loin avec eux. Mais malheureusement, après un gros forcing, le peloton va revenir, et même si ça va continuer de forcer à l'avant du peloton, de toute façon, ça va forcer quasiment tout le début de course. Tout le monde voulait prendre la bonne échappée, en particulier les leaders du classement général. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu une grosse, grosse bataille. Moi, je vais pas trop la subir, mais entre le maillot de leader, le maillot vert, et le maillot blanc qui est actuellement deuxième du classement général, ils se sont énormément marqués. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien combien de places fallait que le maillot blanc fasse devant le maillot vert, combien de points il avait de retard pour pouvoir le battre. Ce qui fait qu'ils se sont attaqués. Quand l'un roulait pas, l'autre voulait pas rouler. Ce qui fait que des fois, il y a des échappés qui partaient parce que dedans, il n'y avait pas de personne pour le classement général. Ils laissaient partir les mecs, comme ça, sans trop savoir pourquoi. Puis après, il y en a d'autres qui ne voulaient pas laisser partir parce qu'ils étaient trop bien placés au classement général. Et ce qui fait une globalité que la course a été un petit peu bizarre. Ça sortait un peu n'importe comment, ça attaquait un peu de partout. Et regardez là, le maillot vert, le maillot blanc, ils se regardent. Mais vu qu'ils sont à côté, ils laissent partir. C'est un exemple parfait. Ça a été ça toute la course. Et vous verrez que tout à l'heure, je m'en servirai à mon avantage. Mais sur le début de course, moi, j'étais un petit peu en mode mince. Regardez là, ils font barrage devant le peloton, ils laissent partir une échappée. Eux, ils s'en foutent parce qu'ils jouent uniquement le classement général. Moi, je m'en fous pas, je suis là pour gagner l'étape. Donc, dans l'idée, c'était assez particulier, mais c'est ça aussi une course par étape. Surtout, bah là, c'est la dernière étape, c'est là que tout se joue. Donc, c'était hyper intéressant aussi de le voir d'un point de vue extérieur, parce que moi, je suis un peu extérieur à ce classement général, même si sur cette étape, j'espère rentrer dans le top 10. Dans l'idée, bon, ceux qui jouent vraiment les places, c'est les 2-3 premiers du général qui veulent se jouer le maillot. Donc, c'était assez marrant. En tout cas, c'était agréable à voir. Regardez, ils sont en train de se battre à l'avant. Nous, on accompagne et on se laisse faire un petit peu. On va accélérer un petit peu parce que, en fait, j'ai pu accompagner quand même pas mal de tentatives d'échapper. Regardez par exemple ici où c'est en train d'exploser derrière. On est en train de sortir du peloton. Malheureusement, sur toutes ces tentatives, il n'y en a aucune qui vont fonctionner. Donc, on va accélérer, on va aller plus loin dans la course. Mais voilà, sachez que j'ai fait quand même pas mal d'efforts tout le long de la course.
pour accompagner, même si c'était des efforts quand même stratégiques où je n'ai jamais attaqué par moi-même, je n'ai jamais fait d'efforts bêtes ou inutiles, j'ai juste accompagné les tentatives afin de jamais louper les bons coups. Et là, regardez, vu qu'il y avait 20 bandes de circuit, tous les tours, je prenais des bidons, forcément, il faisait extrêmement chaud. Et là, je vais prendre un bidon et regarder par terre, paf, mon bidon va tomber. Donc déjà, ça peut être dangereux pour le peloton, mais c'est surtout que moi, là, je vais me perdre mon bidon pour le tour. C'est-à-dire que pendant 20 bornes, là, je vais me retrouver sans eau, sans bidon, sans rien à boire. Ça a été difficile. Moi, au fond de moi, sur le coup, je me dis c'est désagréable de ne pas pouvoir boire quand t'as soif. Moi, ce que j'avais peur, c'est que là, il nous reste encore 40 bornes à faire. Si je puise trop dans mes réserves, bah, je vais tout simplement cramper en fin de course. Donc là, je me suis dit, c'est un red flag, c'est dangereux, faut pas... Enfin, c'est... Voilà. Faut absolument qu'au prochain passage sur la ligne, je réussisse à prendre un bidon. Et vous allez voir que je vais même en prendre deux, parce que j'avais deux personnes sur le bord de la route. Parce qu'il fallait que je refasse mes réserves directement pour pas tout simplement cramper dans le dernier tour, par exemple, ou dans le sprint. On se retrouve un peu plus loin. On est à 60 km parcourus, il nous reste un tour et demi à parcourir environ. Et regardez ce qui va se passer. C'est ici que ma course va se jouer. Regardez, là je décide de faire l'effort. Dans le virage ici, j'avais remarqué que souvent ça se regardait ensuite. Donc là, pour l'instant, j'ai uniquement une caméra à l'arrière, mais vous verrez, je vais allumer la caméra avant très bientôt. Et on est en train de s'échapper du peloton. Il faut savoir que pour l'instant, il y a déjà une échappée. Il y a environ 5-6 coureurs qui sont sortis du peloton déjà, malheureusement. Donc là, l'idée, ça va être de prendre un groupe de contre et potentiellement revenir sur l'échappée. Mais déjà, prendre un groupe de contre, ça voudrait dire rentrer dans le top 10. Parce que du coup, il n'y a pas tant de coureurs que ça dans l'échappée. Et là, on est très très bien sorti avec le coureur en rose qui est juste derrière moi. Sauf que derrière, malheureusement, le peloton ne veut pas nous laisser partir. Donc là, en temps normal, ce que je me serais dit, c'est bon, j'arrête mon effort, j'arrête de faire le forcing. Mais en faisant le forcing, grâce au coureur en rose qui me prend des gros relais, hein, c'est surtout grâce à lui pour l'instant, il fait des gros efforts pour essayer de nous faire sortir, on reprend de l'avance sur le peloton, regardez. Et là, on est juste avant le passage du petit pont qui nous emmène dans une montée de plus de 3 km. Donc, ce qui veut dire que ça va être difficile. Et regardez, il y a un coureur qui est en train de faire l'effort à l'avant du peloton, et malheureusement, il ramène tout le monde sur moi. Donc là, c'est chiant. Sauf que regardez, il y a un coureur qui va nous contrer, un Taïwanais, ainsi que le coureur ici avec son maillot jaune. Sauf que derrière, ça se regarde un petit peu. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne ce coureur. Derrière, ça ne nous laisse pas sortir. Mais je continue de faire le forcing. Je continue parce que j'y crois. Je me dis, c'est le moment. Là, on est quasiment en fin de course. Hein, il reste un tour et demi. Alors certes, c'est des tours de 20 km, mais on est quand même sur la dernière partie de course. Tout le monde est à bloc et moi, je me sens vraiment en forme. Et là, le coureur en jaune remet une attaque. Donc là, je vais encore une fois l'accompagner. Et regardez, ça y est, Dylan ne me suit pas. Il fait une cassure. Et ça y est, on est en train de ressortir une nouvelle fois du peloton. Donc directement, je prends le relais du coureur jaune. Je me pose pas de questions. Moi, je m'en fous. Je veux tout faire péter. Donc c'est ce que je fais. Regardez, je fais tout péter à la pédale. Je mets tout ce que j'ai. Parce qu'il faut sortir maintenant, surtout qu'après il y a toutes les côtes et tout ça, donc si j'ai de l'avance, il m'en faut quand même assez pour pas me faire reprendre par le peloton. Si j'ai un tout petit peu d'avance, je vais sûrement me faire avaler. Donc je continue mon effort comme ça, mais j'avais pas prévu de partir en solitaire, parce que là je suis seul, et ça, c'est pas ouf. Mais heureusement, regardez, il y a un coureur qui va revenir sur moi, et ce coureur, c'est le coureur qu'on a déjà vu en début de semaine, c'est un coureur de Montoire qui s'appelle Simon, c'est un très 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 bon rouleur, c'est un des meilleurs du département en Open 2 de chez moi, en Loire-Atlantique. Donc quand il me prend le relais, je me dis ok, j'avais peur de me retrouver tout seul parce que pendant quelques secondes ça a été le cas, je me suis dit là c'est pas bon, mais avec Simon, là il y a vraiment une possibilité. En plus de ça, il y a un coureur en jaune là qui revient derrière moi et il me semblait plutôt fort depuis le début de course, il a pas mal forcé à l'avant, donc je me dis là on est trois, on a un très très bon effectif. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai plus de compteur à l'écran tout simplement parce que celui-ci s'est éteint, je ne l'ai pas chargé de la semaine. L'idée c'était de voir un petit peu la capacité de la batterie. Comme vous le savez, j'ai un nouveau compteur de la marque Sigma, le ROX 12.1 Evo, qui est incroyable. D'ailleurs, il a tenu quasiment toute la semaine, ce qui est énorme, hein. J'ai fait quand même 7 courses. Donc l'autonomie, elle n'est plus à prouver, mais par contre pour cette fin de course, j'ai plus de compteur. Donc c'est pas grave, on est dans le flou, mais au moins ça va m'éviter de regarder les données, je vais pas me faire peur en voyant que mon cœur il est à bloc, non. De toute façon, maintenant, il reste un tour et demi à parcourir, une vingtaine de kilomètres. Faut se la mettre, faut vraiment se mettre minable, parce que vu l'effort que je suis en train de faire ici, si on se fait reprendre, je vais être mort. Je vais être mort et je n'arriverai pas à faire un bon résultat dans la finalité. Donc, faut absolument qu'on aille au bout avec cette tentative, parce que sinon,
j'aurais cramé mes ailes pour rien, et pour le coup, je suis en train de donner tout. Donc, c'est-à-dire que mes ailes, là, si, voilà, je donne tout. Et en plus de ça, vu qu'on est un bon effectif avec Simon et le coureur en jaune, je me dis qu'il y a vraiment moyen. Par contre, là, on est dans les plus gros pourcentages du parcours, avec la côte qui est très très longue pendant 3 km. Et je me fais mal. Hein. Je me fais mal pour rester dans les roues. Je me dis, je peux pas péter maintenant. Si j'explose maintenant, c'est tellement dommage, tellement bête. Surtout que quand je me retourne, regardez, on ne voit même plus le peloton. Et là, je me dis vraiment que c'est le bon moment. Donc, dès que je peux, je prends des allers les plus longs, les plus forts possibles, afin qu'on prenne un maximum d'avance. De toute manière, l'avantage, c'est qu'avec Simon, qui est un rouleur, le coureur en jaune, qui apparemment roule plutôt bien du coup, personne ne se regardait. On savait tous les trois que c'était maintenant ou jamais, que si on se faisait reprendre, c'était finito. Et de toute façon, dans l'échappée, il y a 6 ou 7 coureurs seulement. Donc là, si on va au bout, on rentre dans le top 10, ce qui serait déjà incroyable en vue du circuit vraiment difficile d'aujourd'hui. Faut savoir quand même que sur la première et la troisième étape, les deux autres circuits difficiles, j'ai pas réussi à finir. Là, je suis en échappée devant. Donc imaginez quand même la différence entre les deux. J'ai vraiment progressé au fil de la semaine, j'ai aussi mieux couru, j'ai aussi réussi à me faire plus mal, aller plus loin dans la douleur. J'ai appris beaucoup sur moi-même en fait cette semaine finalement, c'est ça aussi le truc. C'est que j'ai appris à courir plus fort, à courir plus intelligemment, à me faire vraiment mal, et en plus de ça, je pense que j'ai progressé. Je pense que physiquement aussi, j'ai pris un petit step au fil de la semaine, et ça m'a permis d'être ici, durant cette huitième étape, présent, à l'avant de la course, à essayer de jouer les premiers rôles, là où bah, j'avais même pas réussi à faire 40 km dans le peloton, à la première et troisième étape. Et regardez, là, on est dans la toute dernière partie de la côte, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le panneau de la ville. Donc quand on rentre dans la ville, on le sait, c'est que c'est la fin de la côte. Et moi, je suis vraiment au rupteur, hein. Je sais que ça va être difficile, mais je sais aussi que si on passe la côte, après, il y a toute une partie plate, puis la grande descente. Donc normalement, on a de quoi récupérer. Mais pour ça, faut pas se faire reprendre avant. Donc là, on se retourne et regardez, le peloton est un petit peu en train de revenir. Forcément, dans la côte, eux, ils ont dû s'attaquer, ils ont dû faire des efforts, ce qui fait qu'ils sont en train de revenir sur nous. Donc là, faut pas lâcher, parce que si on se fait reprendre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, bah moi, je suis rincé mort, c'est finito pour moi. Donc, ce que je fais, c'est que bah je continue. Bon, là, je demande des bidons, mais les gens n'ont pas voulu, parce que, enfin, je les connaissais pas. Hein. J'étais juste à court d'eau, comme je vous expliquais tout à l'heure. J'ai loupé mon bidon dans le début de ce tour-ci. Donc, ça fait 15 bornes que j'ai plus d'eau, là, à ce moment-là de la course. C'est pas optimal du tout, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, j'essayais de demander à des inconnus dès que je voyais qu'ils avaient des bidons, mais forcément, eux, bah, ils ont un bidon pour leur coureur, ce que je comprends très bien, et c'est pour ça qu'ils m'en ont pas donné. Ils me l'auraient peut-être donné s'ils en avaient plusieurs, peut-être qu'ils en avaient pas plusieurs, donc voilà. Et regardez derrière, là, il y a un petit groupe qui est en train de rentrer. Et au début, quand je vois ça, je me dis, mince, c'est la sauce, enfin, on a fait l'effort, et le peloton est en train de rentrer sur nous. Sauf que, en fait, quand ils reviennent sur nous, je me retourne en mode, la course est finie, quoi. Enfin, finalement, là, c'est mort. Et ce qui passe, c'est qu'en fait, le peloton n'est pas rentré, non. Il y a juste une vingtaine de coureurs, les 20 plus forts du peloton. Regardez, il y a l'anglais qui est très très fort, le premier du général, le deuxième du général, un taïwanais de la meilleure équipe, Fabrice qui est 3 ou 4e du général. Là, on n'a que les bons coureurs. Il y a même le gars d'Orléans qui est tombé à Argenton, qui est dans les 5 premiers du général aussi, Dylan. Regardez qui se trouve autour de moi, c'est un truc de malade. Et là, je me dis, ok, on n'est pas repris par le peloton. Par contre, là, on est dans le groupe des giga favoris. Tous les leaders du classement général sont présents autour de moi. Je suis dans l'endroit qu'il faut être. C'est-à-dire que grâce à cette attaque en amont de ce groupe, j'ai pu prendre ce groupe. Je pense que si je n'étais pas sorti du peloton en amont, le moment où ils sont sortis, eux, du peloton à la pédale, hein, parce qu'eux, ils sont sortis dans la côte, ils ont tout fait péter le reste du peloton, parce que derrière, il y a plus de 70 coureurs, on était plus d'une centaine au départ. Donc, dans l'idée, là, si j'avais pas fait ce move, dans le peloton, je pense que je n'aurais pas réussi à les suivre. C'est-à-dire que quand ils sont sortis, j'aurais pas été assez fort dans la côte pour les suivre. Sauf que vu que j'avais pris de l'avance avec cette échappée, et bah, quand ils reviennent sur nous, on fait partie dorénavant de leur groupe. Et ça, c'est très très beau jeu. Et pour le coup, quand je vois ça, je me dis, ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant qu'on est dans ce groupe-là, il va pas falloir sauter, parce que là, il y a une grande descente qui nous emmène à l'arrivée, et ensuite, il y a la côte de l'arrivée. Et du coup, ma stratégie, regardez,
c'est que je vais me replacer à l'avant de ce groupe. Alors, moi, dans un fond de ma tête, j'espère qu'on va aller au bout avec ce groupe, j'espère qu'on va pas se faire reprendre par le peloton, parce que grâce à ça, je suis sûr de faire une bonne place. Mais d'un autre côté, il faut pas que la côte, là, on la monte trop vite. Donc ce que je fais, c'est que je me mets devant, je ralentis un peu le groupe pour qu'on la monte à ma vitesse. Enfin, comme ça, j'impose mon rythme, finalement. Et regardez, du coup, bon, mon rythme va inculquer un relais pour le groupe. Bon, heureusement, on ne le voit pas parce que j'ai pas mon compteur, mais ça monte pas trop vite. Ça monte plus vite que les tours précédents parce que je suis en difficulté, on le voit bien. Je peine à prendre les roues. Et quand je vois qu'il n'y a plus personne derrière et que c'est la dernière roue qui me reste, eh ben, je fais l'effort, je m'accroche parce que je sais que c'est maintenant. Si je saute, la course est finie. Bon, certes, il y a énormément de coureurs derrière. Hein. Il y a des pelotons partout parce que derrière, il n'y a pas seulement un peloton. Le peloton derrière, il a explosé dans tous les sens. Il y a des groupes de partout. Je vous l'avais dit, c'est une course d'usure. D'ailleurs, regardez, ça y est, j'ai pris un bidon. Merci à toi de m'avoir donné un bidon. Franchement, sans ça, encore une fois, je pense que j'aurais pas pu finir la course. Sur cette course, j'ai pris presque 6 bidons, je crois, dans la globalité. Donc, sans les assistances, c'est impossible. Et regardez, là, du coup, on est dans l'endroit du parcours, bientôt la ligne d'arrivée. Tout le monde va prendre des bidons ici, donc ça ralentit un petit peu. Et moi, dans le fond de ma tête, je me dis, ouf, on va ralentir un petit peu parce que là, c'était dur pour moi. On est dans l'avant-dernière montée. On passe sur la ligne, il y aura la cloche qui signifie que c'est le dernier tour. La prochaine fois que je passe par cette ligne, c'est pour l'arrivée, pour faire une bonne place. Donc là, je suis ultra refait. Donc je me dis, faut que je m'accroche. Faut pas que je saute, donc là, c'est ce que je fais. Je m'accroche, je me donne, hein, vraiment, je me donne. Par contre, j'essaie de pas me faire surprendre par les cassures, c'est ça le problème. Parce que le problème des bidons, c'est les cassures. Et regardez, c'est bon, je prends un deuxième bidon à Nbina, donc ça refait. J'ai dorénavant deux bidons pleins, et ça fait plaisir. Parce que je vais pouvoir m'hydrater sur ce dernier tour. Ça y est, on passe la ligne. Il nous reste un tour à parcourir, environ 18 km. Va falloir s'accrocher, parce que c'est maintenant que ça se joue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours 7 coureurs à l'avant. 6 coureurs à l'avant, peut-être. Donc, faut vraiment tout donner maintenant. Faut s'accrocher. Et je peux potentiellement rentrer dans le top 10. Et ça, c'est juste énorme sur un circuit aussi difficile qu'aujourd'hui. Et vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous disais qu'au fur et à mesure de la course, j'analysais les endroits où il y avait facilement des cassures, où c'était techniquement différent. Et comme ici, par exemple, au niveau de la fin de la petite boucle, on tourne sur la gauche. Et comme à tous les tours, il y a des petites cassures qui se créent parce que certains coureurs veulent prendre des bidons, d'autres non, d'autres sont à bloc et d'autres attaquent. Et c'était comme ça à tous les tours. Et ça, je l'avais bien remarqué. Donc là, regardez, le coureur prend un bidon et là, il y a une autre cassure qui se crée comme à tous les tours. Donc là, j'hésite pas. Je saute dans la roue. Je me dis, j'ai pas fait tout ça depuis le début de la course pour louper les tentatives, prendre des cassures bêtes et faire une place de merde. Non. Donc là, je me donne. Et là, pour le coup, je me donne vraiment. C'est-à-dire que là, ça roule très très fort. Je me mets à 100% pour m'accrocher. Parce que là, devant, il y a Alexis. On l'a beaucoup vu cette semaine. Il fait 4e du contre-la-montre. C'est un excellent rouleur. Ensuite, il y a un coureur en jaune qui a fait plusieurs podiums et énormément de top 5 cette semaine. Dylan, que je vous ai aussi présenté pas mal cette semaine parce qu'il est tout le temps à l'avant. Et moi, parce que derrière, ça a pété. Et là, pour le coup, c'est le bon moment. Parce que tout le monde est à bloc. On est dans une phase de la course où ça se regarde aussi pas mal. Parce que pour le classement général, le maillot vert et le maillot blanc, eux, ils se marquent de fou. Ils doivent aussi marquer Fabrice, j'imagine. Ils doivent aussi marquer tous les autres qui sont bien placés au général. Et nous quatre, on n'est pas particulièrement bien placés au général. Donc, en vrai, ils s'en foutent un peu de nous. Sauf que, bon, forcément, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Ils nous laissent pas non plus partir en toute simplicité. Parce que là, ça roule extrêmement vite, extrêmement fort. Je suis minable. Là, je me mets minable. Et du coup, on est en train de faire la différence. On est en train de sortir. Dans le dernier tour, il nous reste environ 10 bornes à parcourir pour rallier la ligne d'arrivée. Et ça y est, regardez, Alexis allume le moteur, comme je disais à la course d'Argenton. C'est un gros rouleur, il fait 4e du contre-la-montre, il est extrêmement puissant. Et comme il me l'a dit à l'arrivée, il adore se mettre minable. Donc c'est ce qu'il va faire sur ce dernier tour, il va tout faire pour se mettre minable. Et nous, on va tout faire pour essayer de le suivre. Et c'est ça qui va nous permettre de faire la différence, c'est que grâce à lui, on est en train de prendre extrêmement d'avance sur le peloton. Et c'est le bon moment parce que là, on est dans les parties sinueuses un petit peu du parcours, avec beaucoup de côtes, descentes, gravier. C'est un petit peu difficile pour un peloton de s'organiser. Là où nous, à 4, on peut s'organiser vachement plus facilement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On s'entend vraiment bien. Clairement, sur ces 4 coureurs, je suis a priori le mec le plus faible parce que c'est extrêmement douloureux pour moi. Hein. Je suis complètement à bloc. Regardez, Alexis reprend un relais alors que moi, j'en suis incapable. Ici,
Je suis pas en train de me dire non, j'en garde, faut que je garde pour le sprint, nanana. Non, là je suis juste taquet mort et je peux juste essayer de survivre et espérer réussir à tenir jusqu'à la ligne d'arrivée pour aller chercher un top 10. Parce que là, le top 10, plus ça va, plus je le vois. Et je me dis que si je fais ce fameux top 10, je vais pouvoir engranger un maximum de points pour le classement général. Donc là, je serais juste super heureux de faire top 10. Et regardez, ça se regarde un petit peu, personne ne veut rouler. Donc, malgré que je sois à bloc, je vais prendre le relais comme je peux, avec les forces qu'il me reste. Je vais essayer de porter le groupe, en tout cas essayer de les motiver, essayer de montrer que on est là, qu'on s'organise. Et regardez, ça y est, grâce à ce relais, quand tout le monde se regarde, les relais reprennent, tout le monde se remotive et se réorganise. Donc c'est des fois comme ça, même si on est à bloc, en prenant un petit relais qui est quasiment plus symbolique qu'utile, que on va tirer cette échappée vers le haut, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc là, j'ai reboosté un peu les troupes. Maintenant, bah, encore une fois, il faut que je m'accroche, parce que si je saute de ce groupe, ça serait un vrai échec. Parce que si on arrive ici, pour une fois, à être stratégiquement bon, j'ai pas loupé. Enfin si, il y a une échappée devant, certes, mais quand ils sont sortis, je crois qu'ils sont sortis de manière monstrueuse à une période où j'étais pas forcément très très bien placé pour accompagner, plus j'aurais peut-être pas eu le niveau, mais hormis ça, sinon tout le reste de la course, j'ai réussi à accompagner les tentatives, j'ai pris les bonnes cassures, j'ai réussi à sortir au bon moment tout à l'heure pour me retrouver dans la cassure des leaders. Enfin, pour l'instant, la course est idéale, et comme je vous le disais aussi, c'est que j'ai vachement progressé au fil de la semaine, donc je me sens plus fort, même si là, bon, je suis taqué mort, hein, forcément, ça roule extrêmement vite, c'est dommage de ne pas avoir le compteur, parce que là, niveau watts, je pense que des watts, il y en a eu qui sont partis, ça roule très très fort, mais voilà, je prends les relais quand même pour essayer d'aider mes compagnons d'échapper, parce que il est impératif pour moi d'aller jusqu'à la ligne avec eux, je veux absolument rentrer dans le top 10. Et ce qui me faisait le plus peur arrive enfin, ça y est, on passe le pont, à partir de maintenant, ça va monter pendant plus de 3 km, et là, j'étais hyper inquiet. Pour être sincère, j'étais hyper inquiet. Je me disais, je vais péter en fait. Je suis à bloc au pied de la côte. S'ils montent un tout petit peu trop vite, je serai incapable de les suivre. Heureusement, quand je me retourne, le peloton il est tellement loin que je ne les vois plus. Et je me dis, au pire, si je saute, avec un peu de chance, je finis tout seul et j'arrive à m'en sortir. Mais le problème, c'est que quand tu sautes d'un groupe comme ça, tu prends le vent et c'est vachement plus difficile. Donc là, regardez, Alexis, lui, il repasse derrière. C'est une des premières fois qu'il refuse de prendre des relais, donc ça met une petite puce à l'oreille. Je me dis, bon, s'il veut pas prendre les relais, c'est qu'il prépare peut-être quelque chose. Et en plus de préparer quelque chose, je le vois qu'il mange. Donc je me dis, là, ça sent pas très bon pour nous. Vraiment, je me suis fait la réflexion, je le savais au fond de moi, mais je vais avoir la réponse très rapidement. Regardez, quand je demande au coureur de me prendre le relais, il se trouve que Alexis va placer son accélération, il va attaquer et nous faire sauter sans trop de problèmes en fait. Effectivement, il était bien plus fort que nous. Depuis tout à l'heure, il nous traîne quasiment à lui seul. Donc là, il décide, afin de ne pas être ralenti par nous, de sortir. Et là, on se regarde, on se dit, ok les gars, faut pas qu'on se désorganise. Parce que lui, certes, de toute façon, il est trop fort. On ne reviendra pas dessus, on le sait. Donc dorénavant, il y a 7 coureurs en tête, les 6 échappés ainsi que lui, Alexis. Et nous, faut pas qu'on se désorganise. Là, je leur dis, les gars, je vous prends le relais dès que je peux. Vous aurez besoin de moi sur le plat. Je suis assez fort pour rouler sur le plat, je suis puissant. Par contre, là, dans la côte, je suis en PLS. Donc, pour l'instant, je m'accroche, je fais ce que je peux pour survivre. Et promis, dès que ça sera un peu plus roulant, je viens vous aider. D'ailleurs, ici, regardez, on arrive au sommet de la première partie. Je vais prendre le relais, je me débats un peu avec mon vélo, regardez, avec l'ombre, on voit que je bouge beaucoup mes épaules, c'est-à-dire que j'ai pas une belle position, je suis à bloc, quoi, je me débats un peu avec moi-même, et du coup, dès que je peux, comme par exemple là, je me pose pas de questions, je prends des relais les plus longs possibles, hein, même si je demande, regardez, avec le coude, d'être accompagné, d'être aidé par mes adversaires, en fait, je me pose pas de questions, je sais que même si je fais dernier de ce petit groupe-là, je rentre dans le top 10 qui était mon objectif initial, même mon objectif initial était même de rentrer dans le top 15, donc top 10 c'était vraiment super et bien mieux que ce que je n'espérais. Encore une fois, j'étais même pas sûr de réussir à finir la course à la base. Donc quand je prends les relais, je me pose pas de questions en mode faut que j'en garde, il y a le sprint, nanana, non, que dalle. Je donne tout ce que j'ai quand je prends les relais parce que je veux juste qu'on aille au bout avec ce petit groupe là. Après, si je fais premier, deuxième ou troisième de ce groupe, tant pis, peu importe, quoi qu'il arrive, je serai dans le top 10. Mais maintenant, faut qu'on réussisse à aller au bout. Parce que derrière, le peloton, lui, il va pas nous attendre. Il va revenir sur nous si on arrête de rouler. Donc,
Heureusement, derrière, ça a complètement explosé. Il y a des groupes de partout. Je ne le savais pas encore, hein, mais après la ligne, je l'ai vu. C'est qu'il y avait 4-5 pelotons. Ça a complètement explosé. C'était une course atrocement difficile. Entre la chaleur, le parcours ultra vallonné. Enfin, c'était terriblement difficile. Donc, heureusement, tout le monde était à bloc, finalement. Donc, nous, on est à bloc. On se débat avec nos vélos, mais derrière, heureusement, aussi. Donc, ce qui fait que pour l'instant, ils sont pas en train de revenir sur nous. Mais là, on a fait que la moitié. Regardez, là, on arrive dans le palier que je vous disais tout à l'heure que j'avais le plus de mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends pas le relais à ce moment-là, parce que je sais que je vais devoir déjà me débattre avec mon vélo. Faut que je temporise un petit peu. Donc, dans les parties les plus difficiles des côtes, vu qu'on a fait plusieurs tours, je le savais, je m'accrochais, en fait, finalement, je temporisais, je lissais mon effort en évitant de prendre des relais dans ces parties-là. Et ensuite, quand je voyais que, bah, par exemple, ici, bah, personne veut trop rouler, et bah, je reprenais un relais, malgré le fait que j'étais à bloc. Comme je vous l'ai dit, là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait une course où je me mets minable. Je vais finir à la course, de toute façon, je vais être rincé mort, je vais limite faire un malaise. Donc, quand je vous dis que je me fais mal, c'est que je me fais mal. Ça y est, on a fini la deuxième partie de la côte. Je me remets devant et dès que je peux, comme je vous ai dit, hein, j'aide ce groupe. Dans les côtes, je compte sur eux pour m'aider, mais dans les descentes et dans le plat, c'est moi qui aide les gars parce que bah, même si je suis taquet, au final, eux aussi, ils sont taquets. Je pense pas qu'ils en gardaient. Hein. Dylan m'a dit à la fin, il était rincé mort. L'autre coureur en jaune, il m'a dit, il était au bord des crampes, il était rincé mort aussi. On était tous rincés morts finalement. Là, on va attaquer la toute dernière partie de la côte. C'était un petit peu ce qui me faisait peur. Je savais qu'une fois qu'on avait passé cette partie, bah, c'était quasiment gagné pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais pour ça, il fallait passer cette partie. Tout à l'heure, c'est ici qu'on s'est fait reprendre quand on était sorti à 3 dans le tour précédent. Donc, je me retourne un petit peu. Je me dis, j'espère que le peloton, il n'est pas là. J'espère que le peloton n'est pas là. Et le peloton, il n'est pas là du tout. C'est-à-dire que je ne les vois même pas. Et le risque avec ça, c'est que des fois, on peut se dire, OK, on a tellement d'avance. Vas-y, on arrête de rouler. On en garde un peu sous la pédale. Mais vu le dénivelé du circuit, vu la côte d'un kilomètre de l'arrivée, on sait très bien, et c'est ce que j'ai dit à Dylan d'ailleurs à ce moment-là, je lui ai dit, même si on a 30 secondes en bas de la côte de l'arrivée, à tout moment, avec la vitesse qu'un peloton peut prendre dans la descente vis-à-vis d'un groupe de 3 coureurs, à tout moment, dans la côte de l'arrivée, une fois que le peloton lancera le sprint, on va se faire avaler. C'est possible, c'est clairement faisable, vous l'avez déjà vu par exemple dans les pelotons professionnels, des fois les mecs ils sont à 30 secondes à 1 km de l'arrivée et ils se font avaler à 250 mètres de la ligne. Et bah c'est un peu pareil, on n'est pas professionnel, donc c'est un peu moins flagrant, mais dans le sprint final, on le sait très bien, et je le redis à Dylan, il nous faut au moins 30 secondes d'avance au pied de la dernière côte si on veut être sûr d'aller jusqu'à la ligne sans se faire avaler par le peloton. Parce qu'on a tous les trois mal aux jambes, on est tous les trois à la limite de la crampe, donc on va pas pouvoir la monter extrêmement vite, cette dernière côte d'un kilomètre. Donc là, c'est bon, on a monté la côte de 3 km, on a dorénavant quelques kilomètres de plat, puis la descente, puis la côte de l'arrivée. La descente est finie, on arrive au pied de la côte. Il nous reste 1 km à parcourir, les amis, 1 km à parcourir. Et le peloton, quand je me retourne, il est dans la descente. La ligne droite est tellement longue qu'on les voit et ils arrivent à toute allure. Donc là, je dis aux gars, les gars, on s'attaque à 300 mètres de la ligne si vous voulez, mais pas avant. Avant, faut qu'on roule régulier, faut pas qu'on se regarde. Sinon, non seulement on va pas aller au bout, enfin on va rien faire du tout, on va tout perdre si on se regarde. Donc là, on a un petit peu échangé, on s'est dit les gars, on s'attaque pas, enfin moi je l'ai dit en tout cas, après eux ils m'ont pas trop répondu, mais on s'attaque pas avant les 500 mètres, ça sert à rien, faut qu'on s'accroche. Et on fera le sprint au dernier moment, de toute façon on est tous rincés, on va pas faire le sprint au kilomètre. Donc faut qu'on reste organisé. Et là dans cette côte, pour l'instant, bah, je prends le relais comme je peux. Et là Dylan, qui est encore une fois vraiment bon, va nous prendre un giga relais. C'est-à-dire que là, il prend le relais ici, on est à 500 mètres de la ligne, et là, je suis taquet, j'arrive à peine à lui prendre le relais. Donc là, regardez, on se retourne, on se regarde, et on se dit, mince, le peloton, il est en train de rentrer, les gars. Le peloton rentre. Et là, je dis à Dylan, s'il te plaît, vas-y, lance-moi le sprint. Alors, on a pas mal échangé, Dylan, c'est un abonné, et du coup, en fait, en lui disant ça, je lui dis, si tu roules pas là, on va tous se faire reprendre. On est morts, tous les trois. Donc là, je lui ai demandé, roule pour moi, entre guillemets. Ce qu'il va faire, en gros, lui, il préfère faire
troisième du groupe que rien du tout. Donc là, il me lance le sprint et là, à 300 mètres de la ligne, je lance un sprint tant bien que mal. Je sais, j'ai pas de capteur de puissance vu que le compteur a été éteint, mais là, je dois pas être à beaucoup de watts. Regardez, je me rassois, je suis au bout de ma vie, je donne tout ce qui me reste. Je me débats avec le vélo, je veux absolument franchir cette ligne en tête pour mon classement général que je jouais et que Dylan ne jouait pas. Et là, je passe la ligne. En 8ème position, c'est trop trop bien. Bon, alors je suis rincé mort, je vais être au bout du malaise avec la chaleur. Mais on est passé, on a réussi à passer, le peloton arrive. Juste après, regardez, quelques secondes après, ils franchissent la ligne. On a failli se faire avaler, je vous l'avais dit, dans un sprint final, le peloton peut remonter très très vite. Donc on a eu extrêmement de chance, on va dire. Enfin, on a été au millimètre. Merci Dylan de m'avoir lancé le sprint et de nous avoir permis, sans Dylan qui roulait sur les 300 derniers mètres, on se faisait reprendre et on était mort. Donc merci à Dylan. En plus de ça, bon, il savait que moi je jouais le classement général pour entrer dans le top 10, donc il s'est un peu sacrifié pour moi afin de me permettre de rentrer dans les points et par conséquent de marquer un maximum de points. Bon, fin de journée, fin de semaine aussi, pas peu fier, enfin, je suis très content de la course, comment ça s'est fini. Franchement, c'était une course très très difficile. Au final, je suis monté en puissance jour après jour, donc ça, c'est une très bonne chose. Je suis pas... Normalement, on est fatigué en fin de semaine, mais moi, ça a été de mieux en mieux, donc tant mieux. Au final, là, sur un circuit aussi difficile et usant, et il y en a partout à la fin, je m'en sors très très bien. Après, je me la suis mise quand même un peu. Et du coup, je rentre dans les 10. Je crois que je fais 8e. Donc ça, c'est mieux que ce que j'espérais. Moi, je voulais juste faire dans le top 15. Afin de marquer quelques points pour le général. Et au final, avec la place de 8, je vais marquer quand même pas mal de points. Donc, beau jeu pour le classement général. J'espère que je vais rentrer dans le top 10. Et puis, du coup, maintenant, on va attendre le podium. Je vais donc faire 8e, marquer beaucoup de points en classement général. J'espérais qu'une chose, c'était rentrer dans le top 10. Parce qu'au départ de cette étape, j'étais 13e. Et malheureusement, le jeu des points fait que d'autres coureurs ont marqué des points. Et je remonte que 12e du classement général. Mais c'est déjà énorme. 12e du Triangle Sudbury après avoir abandonné la première et la troisième étape tellement j'étais pas assez fort, c'est beau jeu quand même, c'est pas mal du tout. Je suis très content d'avoir fait 12e, je suis surtout particulièrement content d'avoir fait 8e sur cette étape atrocement difficile. Je suis très content d'être monté en puissance et vous allez voir que tout ce que j'ai engrangé cette semaine, que ce soit en entraînement ou en connaissance de moi-même, ça me servira sur les prochaines courses. Et dès la semaine prochaine, vous verrez, je vais faire encore une fois un très bon résultat. Donc, merci d'avoir suivi toute la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 18h. On repasse sur le format une vidéo par semaine. Merci d'avoir suivi la semaine. Merci d'avoir été aussi nombreux à commenter, à liker les vidéos. Vous avez été très nombreux grâce à vous. Beaucoup de monde ont vu ces vidéos. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.